armes sont là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais dire qu'on avait soulevé le problème des douilles ici. Des douilles qui ont été ramassées au domicile du président de la République. Je me suis intéressé à savoir qu'est-ce qu'elles sont devenues. Il m'a été donné de savoir que les douilles et toutes les photos qui ont été prises du domicile du président de la République après l'attaque ont été, avec le PV, les différents PV, transmis au tribunal de première instance de Dixie. On a interrogé, le tribunal a confirmé, donc on va enlever les armes ici, mais j'ai demandé qu'on envoie ces douilles-là et les photos. Donc quand elles seront là, on va les représenter ici. Parce que de toutes les façons, c'est des douilles vides qui ont déjà été utilisées avec les photos des lieux. Voilà ce que je voudrais vous demander. La deuxième chose que je vais ajouter à cela, Monsieur le Président, c'est que je ne trouve pas opportun que tous les accusés soient là en même temps. Simplement parce que, un, je pense que à travers les débats, certains accusés vont essayer de s'inspirer pour se préparer éventuellement pendant leur comparution ici devant vous. Ensuite, deuxièmement, vous avez constaté que à plusieurs audiences, les accusés ici présents ne se soucient pas de leur sort. C'est des spectateurs qui applaudissent par moments certaines interventions ici. Donc, pour toujours garder la sérénité au sein de la salle, je voudrais désormais que la Cour m'indique quelles sont les personnes qui vont être amenées à comparaître le jour où il y a audience. Et aussi, pour alléger la tâche à la garde qui escorte, je ne ferai venir désormais que les personnes qui sont intéressées. Comme je vous l'ai dit, à la fin des débats, quand tout le monde aura passé, on pourra faire venir tout le monde pour les besoins de confrontation. Voilà ce que je voudrais vous dire, Monsieur le Président. Je vous remercie. Voilà. Oui, par rapport à cette proposition, oui. Relativement aux inquiétudes du représentant du ministère public, je m'inquiète moi-même. Vous avez plusieurs accusés qui comparaissent devant vous pour des faits précis, notamment d'associations de malfaiteurs. Les faits qui sont poursuivis, le ministère public, à mon avis, n'a aucune crainte à se faire ou n'a aucune protestation à élever lorsque un des accusés qui ne sera pas entendu ce jour est présent. Et ils sont liés par les faits. Si l'accusation a des preuves contre eux, je ne vois pas en quoi la présence d'un accusé dans cette salle qui ne sera pas entendu pourra enlever ou faire leur caractère. Ça ne change rien. C'est mon avis personnel. La présence des accusés ne changera à rien dès lors que le ministère lui-même se fonde sur des procès-verbaux et sur l'arrêt de renvoi, en quoi la présence de ces accusés et ce qu'ils auront à déclarer par la suite vont changer éventuellement ce que pense le représentant du ministère public. Encore que tout est médiatisé. Tout est médiatisé. Pensez-vous que celui qui ne sera pas dans cette salle ce matin ne pourra pas éventuellement dire à celui qui n'est pas venu ce qui s'est passé? Quel intérêt les accusés ont à se charger les uns contre les autres? Je ne comprends pas. C'est une démarche, à mon avis, qui n'est pas louable, qui n'est pas de nature à ce que votre cour soit éclairée. Passez outre, comme le disait le bâtonnier, vous avez l'impérium. Mais je pense que c'est le président qui saura mieux vous éclairer, Monsieur le Président. Je vous remercie. Voilà, pour aller vite, la Cour appréciera cette demande du ministère public à temps opportun. Voilà. Donc, nous allons... on peut continuer? Non, pour que chacun soit situé. La cour appréciera l'opportunité de cette demande. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Parce que... Vous voulez dire quoi?
la Cour doit trancher maintenant, je souhaiterais très respectueusement dans ces conditions que l'on nous laisse la possibilité de discuter de cette demande. Parce que, Monsieur le Président, s'il vous plaît... J'ai dit que la Cour appréciera l'opportunité de cette demande. Il n'y a pas de problème, voilà. Je n'en dirai pas davantage, il n'y a pas de problème. Monsieur Alpha Omar Diallo, venez là-bas. Maître Salif Béamougui, c'est vous qui devriez normalement continuer avec lui. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, mon client m'a approché pour me dire qu'il est un peu fatigué. Son état de santé ne le permet plus de se soumettre à un long questionnaire. Donc, je ne vais poser qu'au maximum trois questions qui me paraissent importantes. Mon colonel. Il est commandant, commandant. D'accord. Voilà. Il est commandant jusqu'à maintenant, hein. N'est-ce pas, maître Monsieur Aobé? Voilà. Je souhaite qu'il soit colonel. C'est pourquoi, par anticipation, voilà, je l'appelle. Pour l'instant, c'est qu'il est officiellement reconnu, il est commandant. D'accord. Voilà. Mon commandant. Je voudrais que vous me répondiez par oui ou non, s'il vous plaît. Le parquet dit qu'il ressort des pièces du dossier que vous avez tenu une réunion secrète à Bofa. Oui ou non, vous avez tenu une réunion secrète à Bofa? Très bien. Et je peux déduire que vous n'avez jamais été associé par qui que ce soit pour vous réunir autour de quoi que ce soit? Non, maître. Très bien. Le parquet vous a demandé, reconnaissez-vous qu'à votre arrivée à la présidence, il n'y avait pas de problème? Cette question a été posée. Qu'avant votre arrivée à la présidence, il n'y avait pas eu de problème. Est-ce que vous pouvez répondre par oui ou non que ce n'est pas votre passage non plus qui a créé le problème là-bas? Est-ce que c'est votre passage qui a créé le problème là-bas? Non, maître. Très bien. Donc, votre passage n'a créé aucun problème au niveau de la présidence? Non. Parce que tout ce qui s'est passé derrière vous. On est d'accord? Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous avez tenu avec qui que ce soit des propos ethnocentriques? Non, maître. Régionaliste. Non, maître. Raciste. Non, maître. Très bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, maître. Maître Alassane Alcine Diallo. Alcine, laissez attendre, monsieur le Président. Commandant, je ne vous poserai que des questions simples et je souhaiterais que vous répondiez à ces questions par oui ou non compte tenu de la fatigue que vous ressentez. N'est-ce pas que dans une armée organisée comme la nôtre, chaque arme affecté à un agent en uniforme, fût-il un policier, un gendarme ou un militaire, que ses chefs hiérarchiques doivent le savoir
Oui, maître. N'est-ce pas que tout au long des débats passés, on n'est pas parvenu à nous dire ici, le ministère public notamment, n'est pas parvenu à nous dire ici que voilà ce qui détenait ces armes-là. Voilà la preuve que cette arme ou cette autre arme était affectée à X ou à Y. N'est-ce pas que cela n'a pas eu lieu? Pas du tout. Ça n'a pas eu lieu. Et voilà que le ministère public n'a également aussi pas réussi à nous donner les conclusions d'une expertise balistique pour nous dire que ce sont ces armes ou bien c'est l'arme qui était dans votre véhicule qui avait détruit le domicile privé du chef de l'État, n'est-ce pas? Allez-y, maître, allez-y. Et ne pensez-vous pas du fait qu'on s'est précipité à renouveler entièrement le domicile privé de M. le Président de la République qui fit l'objet d'une attaque sans qu'on ne procède à cette expertise balistique on va nous obstruer ici la vérité? Oui ou non, que du fait qu'on a renouvelé le bâtiment, le bâtiment, sans qu'on ne procède à une expertise balistique, va nous obstruer quelque part ici la vérité? Oui, maître, c'était nécessaire. Et le ministère public nous a dit ici que ce n'est pas un procès politique. Mais n'est-ce pas que le vice-président du parti l'IFDG s'est exilé à cause de cette affaire? Oui ou non qu'il s'est exilé? Bon, moi j'étais en prison, honnêtement. À l'hôpital, je suis venu en prison. Très bien. Dites-moi, ne pensez-vous pas que, puisque vous l'aviez déjà dit ici, que le ministère public représenté par l'avocat général était parti vous voir à deux reprises ou à trois reprises? Affirmatif. Une fois au camp Samori Touré, quand j'étais sur mon lit le malade, et plusieurs fois à la maison centrale de Conakry, s'il faut avec des menaces à l'appui. Est-ce que il n'avait pas eu à vous demander de coopérer lors d'une de ces visites? La réponse est simple. Quand j'ai fait cette déclaration, je dis que je devrais être évacué sur le Maroc. Et l'avocat général à l'époque s'est opposé. Lui-même, il a confirmé que c'est lui qui devrait m'envoyer au Maroc. Mais est-ce que je suis parti au Maroc? Point d'interrogation. Les conditions, c'était de charger des gens. Et les noms ont été cités. Après tout ça, j'ai demandé en compensation de quoi? Mais il m'a mal compris. Lui croyait que je demandais du matériel ou bien quitter avec ma famille. Je l'ai demandé plusieurs fois. Il dit, qu'est-ce que tu penses par compensation de quoi? Je dis, après avoir accusé toutes ces personnes, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais vivre éternellement ou bien je vais mourir? Alors je préfère mourir maintenant là, au lieu d'accuser toute une communauté, toute une société, tous les représentants des partis, que je sois maudit et que ma lignée soit maudite. Donc je préfère mourir maintenant là, parce que je suis à côté de la mort. Ce jour-là, il m'a laissé. Il est revenu à la charge, à la maison centrale. Pour la première fois, j'étais souffrant. Quand il est venu, nous sommes restés 30 minutes. Il n'y a pas eu d'issue. Il dit, je reviens jeudi. Et j'ai un témoin là-bas. Le jeudi, il est venu avec ce témoin. Ce jour-là, ce qui s'est passé, si je vous répète tout, je me réservais beaucoup. Si je vous dis tout, c'est autre chose. Et finalement, j'ai crié sur lui.
Il m'a même dit non, ne me dis pas attention. Je dis attention, surtout quand on est arrivé sur le cas de Bofa. Bien sûr, moi je suis peur. Mais mon grand-père est né à Bofa. Mon père est né là-bas. Moi je suis né à Bofa. Ouais. Mon origine c'est Tougué. Donc il n'y a pas plus guinéen que moi. Oui, ma maman est de Boké. Donc il n'y a pas plus guinéen que moi. Je ne suis ni Soussou, ni Peul, ni Malinké, ni Forestier. La preuve en est que Dieu m'a donné la chance. Depuis que l'accident là m'est arrivé, il n'y a que des cadres Malinké qui se sont occupés de moi. Pour les médecins, les 99% étaient des Malinké. Et jusqu'à présent, là où je me trouve, à l'hôpital de la maison centrale, celui qui s'occupe de moi est Malinké. Donc celui qui t'a donné ta vie, mon commandant, tu peux le changer à qui? Mon commandant, oui. Moi je voudrais juste que vous nous rappeliez ici les noms qu'il vous avait demandé de citer. Je répète, il m'a dit les leaders politiques, un, et les opérateurs économiques. Qui? J'ai dit, comme, tel que qui? Moi je ne suis pas leader politique ni opérateur. Ce que vous déclarez là, pour vous, ça a quel intérêt? S'il vous plaît. Ça a quel intérêt? Pourquoi lui il va vous demander ça de lancer les leaders politiques? C'est à lui de poser cette question. C'est vous qui le dites. Hein? Qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit le pourquoi? Pourquoi il vous incite à dénoncer les gens? Moi, on m'a demandé un devoir. La preuve est là, monsieur le président. Au prix de votre liberté ou quoi? C'est quoi? C'est ce qu'il vous a promis ou quoi? S'il vous plaît. Au prix de votre liberté? Je vous ai dit ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit en contrepartie? Si vous dénonciez les leaders politiques, qu'est-ce qu'il allait vous faire? J'allais sortir. Ou qu'est-ce qu'il allait faire pour vous? C'était de me sortir de la prison, m'envoyer à l'étranger et quitter derrière ce dossier. Et puis assurer ma vie. Mais est-ce que vous avez dénoncé ces leaders-là? Qui? Vous. Vous les avez dénoncés? Pourquoi les dénoncer? Pourquoi voilà. Mentir? Donc ça n'a pas d'importance. Monsieur, parce que vous-même, vous n'avez pas dénoncé les gens, vous avez analysé, vous avez trouvé que ce n'est pas nécessaire et que c'est inutile. Il ne m'a pas dit de dénoncer. C'est lui qui m'a cité les noms. Et à partir au moment où il m'a cité les noms, je me suis opposé farouchement. J'ai dit au prix de ma vie. Je n'avais pas accepté. Je n'ai pas accepté. Voilà, c'est fini. Vous n'avez pas accepté parce que ce n'est pas normal. C'est anormal, monsieur le président. Bien, mon commandant, oui. Je vais continuer. Dans la nuit du 18 au 19, oui. Le domicile privé de monsieur le président de la République fut attaqué. Oui, maître. Au même moment, le groupe d'intervention rapide qui se trouve au kilomètre 36 et qui est coiffé par le capitaine Momori Dembaduno a tenté de venir au secours. Au cours de la route, un général l'appela pour lui dire « Ce n'est pas la peine d'arriver au domicile. Fais demi-tour. » Pensez-vous dans ces conditions qu'il y ait effectivement une attaque réelle? Bon, maître, il m'est très difficile de répondre à cette question parce que je ne suis ni le général, ni le capitaine commandant. Voilà, vous ne pouvez pas répondre à cette question, n'est-ce pas? Voilà. Pensez-vous, mon commandant, oui. Pensez-vous, mon commandant, oui. Que tout au moins, lui, il devrait être là aujourd'hui? Il vous a dit qu'il ne peut pas répondre à la question. Comment bien. Il peut trouver la nécessité de faire venir celui-là? Je passe à la dernière question, mon commandant. Et le ministère public nous avait lu ici une liste des trois personnes. Lieutenant Amadou Diallo, le commandant Alpha Omar Boufa Diallo et M. Amadou Wouri Ba, qui se trouve aujourd'hui exilé. Que, au cas où ce coup réussirait, c'est l'un de ces trois qui devrait être président de la République. Mais malheureusement, sur la liste, il se trouve un seul civil, M. Amadou Wouri Ba. Pensez-vous, je précise que M. Amadou Wouri Ba est un leader politique, pensez-vous
qu'à partir du moment où un groupe d'assaillants a attaqué le domicile de Monsieur le Président de la République, pensez-vous que, parce que la sanité bien ordonnée doit commencer par soi-même, que c'est les assaillants-là qui réussiraient le coup, qui devraient prendre la première, occuper la première place, ou bien c'est un civil? Maître, oui. Je voudrais que vous reposiez cette question au ministère public. Au ministère public. Oui, c'est le ministère public qui a dit tel devrait être présent, tel et tel et tel. Il n'a qu'à le prouver. Vous n'avez pas de réponse à la question. Pas de réponse, monsieur le président. Bien. Oui. Pour terminer, mon commandant, oui. Est-ce que une seule fois, depuis que vous avez porté la tenue, oui, vous avez ôté la vie à un individu, une seule fois, que ce soit volontairement ou involontairement? Maître, je suis soldat. Oui. Souvent, je suis devant certaines missions difficiles. Oui. Mais dire j'ai ôté une vie ou j'ai pas ôté une vie, ça c'est Dieu qui connaît. Mais faire exprès ôter une vie, non, ça c'est pas mon devoir. Mon devoir, je vous ai toujours dit depuis le début, c'est de protéger une vie. Vous ne pouvez pas répondre à la question. Non. Voilà. Merci, je vous remercie. Non, j'ai répondu, non. Il a bien répondu. Non. Il a bien répondu, monsieur le président. Je pense que c'est terminé de votre côté. Hein? Il y a la liste qui m'a été déposée. Mais moi, je suis la liste. Hein? Il commence. Monsieur le Président, ce n'est plus la liste que vous devez voir. Chaque accusé qui passera désormais voilà. Est au lieu de que voilà. Par ses avocats. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est, voilà. Ce n'est plus la liste. On a terminé avec la liste qui était déjà déposée. Maintenant, monsieur Alpha Margallo, citez-moi les noms des avocats que vous avez consultés pour vous. D'abord, Maître Diallo. Alpha Ahmed Diallo. Oui. Maître Béa. Maître Béa. Maître Traoré. Maître Traoré. Maître Alcéni. Alcéni qui vient de parler. Alcéni Assata. Parce que je ne retiens pas tous les noms. Le maître. Silla. Silla. Ils sont sept, hein. Oui. Et Raza. Maître Raza. Raja. Oui. Voilà. Donc, maître Diallo, vous avez encore une question? Oui, oui, j'ai. C'est... Oui, j'ai trois questions. Je voudrais que des questions avec lui, qu'on arrête comme ça. En attendant, il va revenir. Monsieur le Président, j'ai trois questions seulement, des questions qui sont simples. Trois questions seulement. Simple. Simple. D'accord. Mon commandant. Maître. Tout de suite, en répondant à une question posée par mon confrère, je l'ai cru entendre vous demander si vous avez été à la présidence. Alors, ma question est celle de savoir si vous connaissez la présidence de la République. Maître, cette question-là a été posée. La présidence de la République, c'est Sékou Touré. C'est Sékou Touré. Oui. Voilà, c'est pour faire la différence entre la présidence de la République et la résidence privée de Monsieur le Président de la République. Alors, est-ce que vous avez été à la présidence de la République? Non, maître. Non. Voilà. Alors, Monsieur le Président, il y a une question posée par Maître Mohamed Traoré, qui est allé pour se mettre à l'aise. Je voudrais la poser, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Mon commandant. Maître. Des gens qui doivent attaquer le domicile du chef de l'État peuvent-ils aller dans un restaurant situé à quelques mètres des lieux
visé pour consommer de l'alcool pendant 4 heures, selon vous? Maître, je réponds ça par non. Pourquoi? Moi, je ne rentre pas dans un maquis. Je ne suis pas un assaillant. J'ai arrêté de rentrer dans les bars. Je vous dis, je suis fils d'un barman. Ça fait près de 25 ans depuis que je suis dans la rue. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je ne bois pas l'alcool, je ne fume pas. D'accord. Est-ce qu'on vous a rendu votre dossier médical? Jusqu'à présent, je n'ai pas vu mon dossier médical. Et même le médecin de la maison centrale a tellement insisté sur mes dossiers médicaux pour qu'il puisse me suivre. Mais jusqu'à présent, tous les médecins ont peur de mettre ça à sa disposition à partir du camp. Ils ont peur. Voilà, monsieur le président, la défense souhaiterait disposer du dossier médical de notre client. C'est un droit, monsieur le président. Et c'est une obligation pour les médecins qui l'ont suivi de mettre à la disposition des AOB son dossier médical, monsieur le président. Il y a un médecin, monsieur le président, il y a une infirmerie. Il y a une infirmerie à la maison centrale. Non, il y a un médecin à la maison centrale. Ce n'est pas un problème, ça. Monsieur, nous allons avoir ça tout de suite. Maître, s'il vous plaît. Faites la demande, vous aurez. Faites la demande, vous l'aurez. Nous demandons. C'est pas à moi qu'il faut adresser la demande. Adressez la demande à l'hôpital qui se trouve à l'intérieur du camp Samouri. C'est là-bas qu'il a été traité. Le médecin-chef, je le connais. Il est très transparent, il va collaborer, il va mettre à votre disposition le dossier médical qu'il a concernant votre client. Il n'y a aucun souci. Alors, monsieur l'avocat général, je voudrais vous dire le contraire. Quand j'ai été constitué par la famille AOP... Vous avez indiqué la voie. Monsieur le président, je vais lui dire... Je ne voudrais pas entamer de discussion. Monsieur le président... Il vous a déjà indiqué la voie à suivre pour avoir son dossier. Je pense que c'est suffisant. Je vais vous expliquer les difficultés que j'ai rencontrées, monsieur le président, au niveau de l'hôpital militaire. Quand j'ai été constitué par la famille des AOB, je me suis rendu à l'hôpital militaire dans le but de rencontrer mon client, voir son état de santé et d'obtenir un entretien. Monsieur le président, quand je me suis présenté comme l'avocat des AOB, il y a une cinquantaine de militaires qui sont venus m'entourer. Chacun m'a observé. C'est vous qui êtes l'avocat des AOB? J'ai dit oui. Vous osez défendre ce monsieur? J'ai dit oui, c'est ma mission. On me dit bon, si vous voulez le rencontrer, demandez l'autorisation du président de la République. La décision doit venir de là-haut. Nous n'avons pas l'autorisation voilà, de permettre qui que ce soit. Monsieur le Président, permettez-moi. Moi, donnez-moi le micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la défense. Racontez ce qui s'est passé. Monsieur le Président, racontez ce qui s'est passé. Monsieur le Président, la défense dit des choses auxquelles moi je ne souhaiterais pas répondre. Mais je voudrais dire simplement, il dit qu'il est parti là-bas, Maître Diallo, il s'est présenté comme étant l'avocat de M. Alpha Omar Diallo, alias AOB. 50 militaires l'ont entouré, je ne sais pas pourquoi faire, et il n'a pas eu satisfaction. Il n'a qu'à nous donner ici devant la cour, parce que nous parlons devant la cour, il n'a qu'à nous donner ici la preuve qu'il est allé là-bas, qu'il a de faire cette demande-là. Parce qu'il ne suffit pas d'aller se présenter là-bas, faire la demande. Il faut écrire officiellement pour demander. Je sais qu'à un moment donné, monsieur le président, le salaire de monsieur AOB était bloqué. Oui. Il est venu me voir, oui. Lui qui parle là. Affirmatif. Je lui ai demandé de m'écrire. Il m'a écrit. J'ai écrit, j'ai pris ma plume, j'ai écrit au ministre délégué à la Défense nationale pour lui demander quoi? De payer le salaire de M. AOB à sa famille jusqu'à ce que un tribunal impartial statue sur son cas, le déclare coupable et le condamne. J'ai fait cet écrit-là. Maintenant, moi, d'abord, s'il a fait la demande
pour le dossier médical, je n'ai jamais eu de demande pour transmettre au médecin pour qu'il me remette le dossier médical. Aujourd'hui, ils mettent en cause la personne du président de la République. Qu'est-ce que le président de la République a à voir dans un dossier médical? Il faut arrêter ces choses-là. Monsieur le Président. Voilà, moi je pense que arrêtez cette question. Si vous voulez avoir le dossier médical, adressez-vous à, au procureur, il va communiquer, faire une lettre à la personne. Il dit qu'il ne peut pas régler. Il va s'en occuper. Monsieur le Président. Voilà. Les questions sont terminées. Monsieur le Président. Voilà. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé la question. Maître Diallo, vous voulez poser des questions à l'accusé? Oui, oui. Ou alors soulever autre question? À l'accusé. Monsieur le Président, s'il vous plaît, avec votre permission. Vous n'avez pas écouté avant la question qu'on va vous poser. Non. Voilà, posez-lui la question. Mon commandant. Oui, maître. Vous dites que le lieutenant Amadou a été tué devant vous. Affirmatif. Est-ce que vous connaissez où se trouve son cadavre aujourd'hui? Non, mais... Non. Son corps? Non, mais... Non. Est-ce que vous savez s'il y a eu autopsie sur son corps pour savoir les causes non, de sa mort? Non, maître, non, maître. J'en ai terminé, monsieur le président. Voilà, merci. Oui, merci, là. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Du côté de l'accusation, oui. L'attaque, Monsieur le Président de la République, est située vers 2h15, selon l'accusation. S'il y a eu deux heures de combat, ça veut dire que ça s'est arrêté à peu près aux environs de 4h, 4h15. Mais je vous apprends qu'en chambre d'accusation, dans sa première formule, lorsque l'occasion nous a été donnée d'écouter le général Bounduka, il a déclaré, et mes confrères sont là, qu'il est arrivé sur les lieux à 3h du matin, en compagnie du général Guelefa, 3h, et qu'il n'y avait plus d'hostilité. À l'occasion, un peu après, le colonel Pivi est arrivé avec une équipe. On lui a dit que ce n'est pas la peine, on a pris les dispositions, donc on a renvoyé le colonel Pivi. Quelle appréciation faites-vous de ça? Bon, maître, comme tout ça, ça s'est passé derrière moi, mais c'est à vous. Deux heures de tir. De 2h à 4h. Le général Bounduka dit, j'étais sur place, à 3h, il n'y avait plus d'hostilité. Deuxième déclaration, le général Bounduka dit, pour avoir fait la guerre, 2 heures de tir nourri. Avec les armes de guerre, je n'en crois pas. Vous comprenez? Oui. Deuxième question. Monsieur le Président de la République, à l'arrivée, à son retour du Libéria, le 17 juillet précisément, lorsqu'il a dit aux autorités militaires que ça n'allait pas, qu'il y avait de mauvaises nouvelles, et qu'il pourrait se passer quelque chose, en chambre d'accusation, il a été dit et soutenu qu'il y a eu effectivement réunion au niveau du chef d'état-major général des armées pour prendre des dispositions. Ça a été dit, nous sommes tous témoins. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y ait ce désert sécuritaire? Parce que vous avez quitté pour chasser, vous êtes arrivé jusqu'à Koronto. Vous n'avez trouvé aucun dispositif. Merci, là, vous voulez revenir sur des questions déjà posées. Mon commandant, quelle appréciation faites-vous de cette situation? On a parlé de conseiller de quartier, on a parlé d'alerte. Dans mon entendement, lorsqu'on conseille le quartier, c'est pour mettre les militaires à disposition, qu'il y a un événement qui arrive. Et dès que cet événement se produit, qu'est-ce qui doit se passer? Mon commandant. Moment, il devrait avoir l'intervention. Ah. Intervention, mais avant, il vaut mieux de prévenir que guérir. Excusez-moi de faire un petit commentaire. Au temps de la Révolution, quand on était menacé, avant que les menaces ne viennent, voilà. Il y a des gens qui montent prévenir, empêcher l'opération, l'action, l'événement. Par déclaration radio. Ça suffit. Merci. Voilà. Monsieur Alpha Kouma.
Mon corps. Maître Rajah. Monsieur le Président. Il sera certainement une seule question, monsieur le Président. Bonjour, monsieur. Bonjour, maître. Merci, monsieur de la Cour. Monsieur Aoué, est-ce que vous avez connaissance du cas du jeune militaire qui a été balancé de la fenêtre du camp Alpha Yaya, je crois, du camp Samori, pardon. Bon, maître. Le troisième étage du camp Samori. Bon, j'ai appris la nouvelle là quand j'étais à la maison centrale de Conakry. Quand vous étiez à la maison centrale de Conakry. Oui, et on vous a dit qu'il a été balancé quand? Est-ce après les événements du 19? Non. Ou avant les événements? Mais avant, d'après les déclarations, avant. Vous avez appris ça. On vous a dit quoi autour de ce sujet-là? Vous avez appris quoi autour de ce sujet? Bon, il paraît que il était soumis à une torture afin qu'il déclare certaines personnes. En général, c'est ça. Il était soumis à des tortures afin qu'il dénonce des gens. Oui. C'était bien il avant. Il paraît, hein? Il paraît. Quand les journaux parlent, il faut dire toujours qu'il paraît. Quand vous recevez des informations. Bon, si vous savez, ce que vous savez dedans, c'est ce que vous allez raconter, mais ne dites pas, il paraît. Non, monsieur le Président, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a appris autour. Voilà, je n'étais pas sur le lieu. Voilà. Mais ce que j'ai appris, je vous ai bien précisé. Bon, quand si j'étais... vous savez rien dessus, concernant cette affaire, vous dites que vous n'en savez rien. Au lieu de dire il paraît. Donc, vous auriez appris qu'il y a eu des gens qu'on voudrait amener à dénoncer certaines personnes, n'est-ce pas? Affirmatif, oui. D'accord. Je vous remercie, monsieur le Président. Voilà, merci. Voilà. Monsieur Alpha Omar Diallo, vous allez regagner votre place momentanément. Merci, la monsieur. La Cour aura besoin de vous. Hein? Merci, monsieur le Président. Voilà. Micro. Il reviendra. Il reviendra pas maintenant, il va revenir. Monsieur Jean Guilavogui. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe là? Maître Al-Séni, Maître Béa, allez vous asseoir. D'accord. Allez vous asseoir. Parce qu'il ne peut pas parler en français. Voilà, il y a une interprète. Voilà. Lui, il est là pour ça, il y a un interprète. Ah, d'où est-ce? Monsieur Jean Guilavogui, oui. L'identité qui a été lue ici, c'est bien vous, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas parler en français. Je ne peux pas parler en français sauf langue Touma. Hein? Parler? Je ne peux pas parler en français sauf langue Touma. Touma? Oui. Voilà. Vous comprenez, camarade, faites camarade. Non. Oui. Je suis son conseil, je voulais passer un message. Oui. D'abord, ils souhaitent que cette ventilation-là, il ne faut pas qu'il y ait refroidissement, parce qu'il ne supporte pas. La ventilation, oui. Il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas. Oui. Ensuite, ils souhaitent être interrogé, qu'il s'exprime en Touma.
ne comprend pas bien le français, oui, ni l'autre langue nationale. Voilà ce que je voulais vous dire à l'entente de son audition. Je vous remercie. Oui. Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui peut nous aider pour servir l'interprète? Voilà. Thomas, français. Oui. Dans quelle langue il a été entendu, à l'enquête préliminaire, à l'aide et à l'instruction. Ouais. Voilà. Non, maître, moi, je ne m'adresse pas à vous. Moi, également. Voilà. Dans quelle langue l'accusé a été entendu, à l'enquête préliminaire et à l'instruction. Voilà. Et cette question, je ne la pose pas à l'avocat. Je pose une question d'appréciation. Oui. Monsieur le Président, oui. Nous sommes ici en phase d'instruction définitive. Il faudrait que le message passe correctement dans la langue que mon client entend. Donc, je vous souhaitais alors une suspension de séance qui pour 10 minutes, je voudrais que cette personne, si c'est possible. Oui. Oui. Monsieur Préda, on est un membre de la Cour. Comme je vous l'ai toujours dit, la défense qui n'a aucun argument trouvera toujours des faux fuyants pour retarder ce débat. J'allais poser la question que Maître Doumbouya a si intelligemment posée. En quelle langue M. Guilavogui a été entendu en enquête préliminaire et devant le juge d'instruction? Il s'est exprimé librement dans une langue qu'il comprend. Je crois bien que c'était le français. Pourquoi aujourd'hui on veut qu'il parle forcément Touma? Pourquoi? Demandez, demandez à l'accusé ici présent s'il peut s'exprimer en français et posez-lui les questions. Voilà. Vous voyez, il est en train de lui dicter des choses. Monsieur le Président, c'est ma langue. Je suis né avec langue de ma. Je parle avec langue de ma. C'est ma langue. Mais vous parlez français comme ça? Non, c'est ma langue. C'est ma langue. Je ne peux pas laisser ma langue. Je vais parler une langue étrangère. Mais le... Les avocats, retirez-vous, allez vous asseoir. Allez vous asseoir, allez vous asseoir, allez vous asseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous êtes le seul avec la Cour. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Maître Bereté. Maître Camara. Asseyez-vous. Maître Béa, prenez place. S'il vous plaît. Monsieur Jean Guilavogui. Présent, monsieur le président. On vous a interrogé dans quelle langue? À l'enquête préliminaire et devant le juge d'instruction. L'homme au Gabon. L'homme au Galaola. L'homme au Galaola. Monsieur le Président, oui.
Monsieur le Président. Oui. Moi, comme le bâtonnier l'a demandé, je voudrais vous aider à garder la sérénité dans cette salle. Ce que je viens de voir encore de la part de certains avocats de la défense est simplement déplorable, regrettable. Parce que ce qu'il faut noter, dans un tel procès, l'avocat, qu'il soit de la défense ou de la partie civile, doit contribuer à la manifestation de la vérité. C'est ça son travail. Je viens de voir l'avocat de la défense dire à celui qui est là de ne pas s'exprimer dans une autre langue si ce n'est pas le Thomas. Je suis d'accord avec lui. Monsieur le Président, suspendez pour quelques minutes, je vais trouver un interprète, s'il vous plaît. Ou bien, pour ne pas que l'audience soit suspendue, on n'a qu'à le renvoyer, prendre une autre personne, en attendant qu'on trouve un interprète. Je vous remercie. Monsieur, vous prenez la parole pour... Hein? Je demande la parole. Oui. Merci bien, monsieur le président. Monsieur le président, si le garde va être suspendu pour suivre monsieur, l'avocat va être renvoyé pour prendre un 15 ou un 16. La partie civile sollicite, ils sont accordés comme disons, qu'on ne met pas avec les autres. Parce que on est venu nous dire, non seulement de ne pas s'exprimer, sauf en grand Thomas, mais de ne pas dire, de ne pas parler de ce qu'il avait dit. Et nous avons des procès verbaux. C'est ça qui sème la panique dans notre camp, monsieur le président. Donc, nous prions que M. Mouni ne soit pas mis avec les autres pendant le temps pour que toute autre personne fasse. C'est la demande de la partie civile formée. Monsieur le Président, permettez. Monsieur le Président, oui. Que les avocats de la partie civile ne s'inquiètent pas. La garde pénitentiaire est là. Moi, j'ai pris mes responsabilités très tôt. Depuis que cette audience a commencé, j'ai demandé que chaque accusé reste là où il est. Je ne veux plus de communication entre les accusés. Aujourd'hui, on a essayé de m'accrocher de l'autre côté pour me dire que ce n'est pas normal. Mais moi, je dis que je l'ai fait dans le souci d'éviter des concertations frauduleuses. Et ça existe dans le code de procédure pénale. Mieux, j'ai surpris des gardes de la garde pénitentiaire qui faisaient la navette entre les accusés. Et j'ai demandé aux responsables de la prison civile d'extraire ces gardes-là parmi ces gardes. Je ne veux plus les voir ici. Le moment venu, je verrai le directeur national de l'administration pénitentiaire pour que ces gardes-là soient sanctionnés à la hauteur de leur forfait. De toutes les façons, actuellement, ceux qui sont là sont chacun est dans sa cellule. Il n'y a aucune communication. On m'a même dit, même pour les heures de prière, ils ne peuvent pas se... Je dis, chacun n'a qu'à prier dans sa cellule. La mesure, elle reste de rigueur, de vigueur, elle ne changera pas. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est ma question. Oui, mon client ne date pas d'aujourd'hui, hein. Monsieur le Président, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans sa cellule, il m'a dit qu'il fait s'exprimer en commun lorsque la cour va l'interroger. C'est ce que j'ai voulu dire. Et il vous l'a dit. Et à l'ouverture de, de cette audience d'assises, je me suis concerté avec lui. Il m'a dit qu'il souhaite parler dans la langue Thomas. Où est le problème dans ça? On trouve un interprète, qu'on aille plus vite. Si quelqu'un veut que ce dossier soit examiné maintenant, moi je veux même qu'un arrêt intervienne aujourd'hui pour que mes clients soient situés sous leur soin. Je suis pressé plus que tout le monde. Ici, ce n'est pas le cinéma. Je voudrais que mon client vous passe le message qu'il a à vous passer dans la langue qu'il entend. Si maintenant vous pensez qu'il faut l'interroger en français, je vais lui dire de s'efforcer de parler en français. Mais je pense que c'est lui qui est concerné plus que tout le monde. Et voilà ce qu'il m'a dit. Et il a répété qu'on dise que je lui ai soufflé des mots. Vraiment, cela n'est pas de ma nature, monsieur le président. Je le regrette. Je vous remercie. Voilà, moi, monsieur Jean. Oui, monsieur le président. Dans quelle langue vous avez été interrogé devant le juge d'instruction? Voilà.
Voilà, la garde pénitentiaire. S'il vous plaît. L'audience est suspendue, elle sera reprise dans 10 minutes. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Monsieur Jean Guilabogui. S'il vous plaît, les avocats de la partie civile, l'audience a commencé. Monsieur le procureur, avez-vous... J'ai eu un interprète qui s'appelle monsieur Sakouvogui Michel Pépé. Sakouvogui Michel Pépé. Ouais. Voilà, il est là. Monsieur Sakouvogui Michel Pépé. Prenez le micro. Vous êtes né en quelle année? Vous êtes né en quelle année? En 1980. Où vous êtes né? À Massanta. Vous êtes fils de? Ils sont en vie. Ils sont en vie. Voilà. Votre profession? Sociologue. Sociologue. Oui. Vous êtes marié? Non. Votre domicile? Je suis à Pédissimaya. Pédissimaya. Oui. Est-ce que vous connaissez ce monsieur Jean? Non. Vous n'êtes pas parent? Non. Est-ce que vous avez été une fois poursuivi en justice ou condamné vous-même? Non. Voilà. Vous n'êtes pas parent avec l'accusé. Vous n'avez jamais été poursuivi en justice et condamné? Non. Voilà. Vous avez des rapports avec le président de la République, M. Alpha Condé? Non. Non. Voilà. Oui, c'est pour supposer. Levez-vous, levez-vous, avant de commencer. Hein?
Oui. Vous allez lever la main droite et prêter le serment. Le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, dites je le jure. Je jure au nom de la salle. Je parlerai au nom. Je parlerai sans. Dites, je le jure. Vous dites? Je le jure. Je vous jure. Je vous jure. Je parle sans haine. Je parle sans haine. Et surtout, surtout, ça sans suffit, aucune ça confusion. Suffit. Au nom de la salle. Voilà, à l'attention de l'auditoire aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À l'attention de l'auditoire aussi. Si vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas vous calmer, vous ne voulez pas maintenir le silence, on peut demander à l'auditoire aussi de nous excuser. Ça aussi, la loi l'a prévu. Quel que soit ce qu'il va dire ici, ce n'est pas à vous de l'apprécier. Je vous en prie. La prochaine fois, on va commencer à vider certains cas. Ce n'est pas seulement au niveau des avocats, mais aussi vous. Voilà. Donc, monsieur, demandez à monsieur Jean Guilavogui, il est né en quelle année? Qu'on a fait froid avec Izzy. Qu'il a 20 ans. Non, 26 ans. 26 ans. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est né où? Terre. Tocan à Masada. Qu'il est né à Masanta. Comment s'appelle son père? Agenda Sigui. Amaye Paolo. Et Amaye Paolo Glory. Son père, son nom est Paolo Guilavogui. Et sa mère? Elle est où? Tama Wido. Tama Wido. Ndasi ya u to ngenga kali. Ata ndasi ni ngenga kali wido kali. Sa mère Wido Kalvogi. Lui sa profession qu'est-ce qu'il fait? Gaga ministre. Qu'il est ministre de profession. Ministre. Oui. Est-ce qu'il est marié? Ngasale yeux. Oui. Qu'il est marié. Il a combien de femmes, combien d'enfants? D'où la baiser. Un enfant. Combien de femmes? Un. Il est domicilié où? Hein? Vous dites? Il est domicilié où? Dans la cuisine de Barassou. Koloma. À Koloma. Est-ce qu'il a été une fois poursuivi en justice et condamné? Alors depuis tout heure, tu es mort tout heure. Tu es mort devant le gars que tu veux le gavrota. Ah ah, maintenant on peut gagner. Non, c'est la première fois. Est-ce qu'il a accompli ses obligations militaires? Il a fait l'armée? Tu es sans soudain et super. Ah ah. Non. Voilà. Le lundi, il a été donné lecture de l'arrêt de renvoi. Est-ce qu'il a suivi cette lecture et il a compris ce qu'on lui reproche?
Voilà. Selon l'arrêt de renvoi, vous êtes poursuivi pour association de malfaiteurs, assassinat, tentative d'assassinat, destruction d'édifices privés. Est-ce que je reconnais ces faits-là? Est-ce qu'il peut expliquer à la cour comment il s'est retrouvé dans cette affaire? Qu'il vit au nom de Dieu. Je ne l'ai pas dit. Qu'il peut dire. Voilà. Expliquez-nous ce qui s'est passé dans cette affaire. Il dit ce qu'il a vu, c'est ce qu'il doit dire. Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'il doit dire. Voilà, la cour l'écoute. Tant maintenant, tant tout le reste à Ouïa. Que dans la vie, toute personne dont on porte confiance est la personne qui te met dans les problèmes. Dans la vie, ce que je vais dire, ce qu'il va dire, si c'est faux, qu'il meurt tout de suite là. Il est tombant. Qui ne va pas mentir au nom de quelqu'un, si il sait qu'il doit mourir, il mourra. Quand on meurt, on est mouru. Que sur cette terre-là, quand on dit la vérité, arrivé au lieu de la Dieu peut te pardonner. Mais si tu ne dis pas la vérité, Dieu ne te pardonnera pas demain. Et il ne dit pas seulement la vérité au nom de lui seul, mais au nom de sa famille aussi et au nom de tous ses connaissances. Au nom de la Bible, tout ce qu'il dit, si c'est faux, qu'il meurt. Que de la manière dont il s'est retrouvé dans cette situation. Qu'il a un frère qui se nomme Émile. C'est lui qui est venu lui voir un lundi. Pourquoi? Jeune frère. Quand il est arrivé le lundi soir, il lui dit, jeune frère. Qu'il était couché sur lui à domicile. En regardant la télé. Qu'il y a de l'argent quelque part. Allons-y prendre. Où on va le prendre cet argent? C'est à cause. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai réellement? C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Si c'est vrai, dis la vérité au nom de Dieu, dis la vérité, ce que tu dis, si c'est vrai, dis la vérité. Que jeune frère, je ne veux pas vous mentir. Moi aussi, je me suis levé. Je l'ai suivi. En route, je l'ai dit encore de me dire la vérité. Que tu as été tatoué dans la forêt sacrée, dis-moi la vérité avant qu'on aille.
Si tu me dis la vérité, si je peux, je te dirai que je peux. Si je ne peux pas, je te dirai encore que je ne peux pas. Et si tu ne me dis pas la vérité, arrivé où on doit aller chercher l'argent, si je ne peux pas, je dirai que je ne peux pas. Nous sommes allés à Kouza. J'ai vu beaucoup de voitures garées. J'ai vu une voiture garée, il y avait les militaires à côté. Qu'il y avait beaucoup de voitures garées, et autour de ces voitures-là, il y avait des militaires aussi. Arrivé, quand il a débarqué, il a vu les militaires là autour de ses voitures. Une fois dans le quartier, il a eu peur, il s'est retourné. Que jeune frère revient. Je suis reparti. Que c'est moi qui t'ai dit, nous allons aller prendre de l'argent. Pourquoi alors tu as peur? Je lui ai dit, ah, mais là où nous sommes comme ça, je me retrouve au milieu des militaires. Comment alors pourra-t-il me retirer parmi ces militaires-là? Il me dit, moi dans la voiture. Je lui ai dit que je ne peux pas. Jeune frère. Il me dit, hé jeune frère. C'est moi qui t'ai dit de monter. Je ne vais jamais te conduire dans le mal. Moi aussi, je suis monté. Je me brise. Quand nous sommes montés dans la voiture, nous sommes allés à Bambeto. Nous avons contourné vers Kipé. Nous sommes allés dans un garage. C'est là-bas qu'on a mis beaucoup de temps. On a mis assez de temps là-bas. Frère, dites-moi la vérité. Ah, mon frère, tu as été dans la forêt sacrée. Je te redemande encore, tu es un homme tatoué, dis-moi la vérité réellement, si je peux, je dirai que je peux, si je ne peux pas, je dirai, alors je ne peux pas. Si tu ne me dis pas la vérité ici, partout où tu m'amèneras, ce que tu me diras de faire, je ne ferai pas. C'est ainsi, longtemps duré là-bas, il ne m'a pas dit la vérité. Ça aussi, tu as voulu. Les militaires ont débarqué. Je voulais aussi descendre. Les militaires étaient nombreux et ils étaient aussi masqués. Maintenant, ils m'ont empêché de débarquer, de descendre et moi aussi, je suis resté assis dans la voiture. Gama frère là, je l'appelle frère, venez ici. Viens me dire encore la vérité. Si je dois mourir, je vais mourir. Si tu me dis pas la vérité, problème. Quand ça sera un problème, le jour que je vais me retrouver libre dans ce problème là, je vais t'éliminer toi aussi. Parce que moi, j'ai vécu la forêt sacrée. En forêt, j'ai grimpé. Je vais aller donner la cola sur nous en forêt. Lui, il a violé la loi de la forêt sacrée. Parce qu'il ne m'a pas dit la vérité. Maintenant, quand nous avons mis à ceux dehors, les militaires ont remonté dans les voitures. Quand ils sont remontés, ils ont pris la route de Kipé. Nous sommes allés dans une gare routière. Nous sommes allés encore trouver une autre équipe militaire là-bas. Arrêtez.
La voiture qui était devant nous, notre cortège, a dépassé ces militaires-là, l'équipe militaire. Une deuxième voiture encore a continué. Une troisième aussi a continué. Une quatrième aussi a continué. Une cinquième aussi. C'est à ce temps aussi que nous les avons suivis. Quand nous les avons suivis, nous sommes allés à la gare routière, ils ont garé la voiture. Maintenant, j'ai dit à mon grand frère Emile, tu ne m'as pas dit la vérité, n'est-ce pas? Comment maintenant, et ça que ça. Là où je suis, c'est que je suis avec la mort. Mais Dieu me sauvera, je vais survivre. Maintenant, dans ce carrefour-là, il y avait beaucoup de militaires. Maintenant, Bobo est venu. Mais Bobo. Bobo a débarqué. C'est un militaire. Tellement Bobo. Ah, ça aussi, t'avais. C'était un militaire. Ouais, c'est tout simplement Bobo. Hein? Ndassi qui t'en a, c'est ma Bobo. Ndassi qui t'en a. Parce que c'est le frère qui est éteint. Que c'est son frère qui l'a appelé Bobo. Comme mon jeune frère, je parlais, c'est lui qui est avec moi maintenant dans l'équipe. Grand frère, grand dame et homme. Frère, il a répété encore, frère, dites-moi la vérité. Là aussi, des c'est aussi avec la mort. Si tu ne me dis pas la vérité, ça n'ira pas. C'est en ce moment-là que Bobo a tiré un coup de balle à l'air. Tous les militaires qui étaient là-bas ont tous tiré. Seulement tout le monde a débarqué, même tous les militaires. Moi, je ne suis pas descendu de la voiture. Je me suis adossé. C'est en ce moment que Bobo est venu. Que pourquoi tu ne descends pas? Que ce n'est pas à cause de ça que je suis venu ici. Que si c'était à cause de ça, vous m'auriez averti avant moi mon déplacement. Mais comme vous ne m'avez pas dit cela, ce que vous êtes en train de faire là, moi je n'ai jamais fait et je ne ferai pas avec vous. Si vous me tuerez ici, je mourrai, mais je ne ferai pas avec vous. C'est à ce temps qu'il a levé une grenade. Et découpé. Il a découpé. Maintenant, pour parler de son, je ne savais pas. On est découpé. Si il a découpé, on m'a vu. Il me dit descends. On m'a dans ma je lui ai dit à quoi? On m'a gagné vu. Il m'a dit de redescendre. Descends. Mais là, au bout, que vient? J'ai eu peur, je suis descendu. Et quand vient je prends là, je me prie me prends là. En descendant, j'ai ouvert la porte de la voiture. On m'a aidé. Il m'a dit tiens. Ma main gauche, j'ai tenu la main gauche. Il a mis la grenade dans ma main. J'ai pris. C'est en ce temps, il a sauté, tombé, allé se coucher à terre. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a compris que ce qu'il lui a donné, c'était une mauvaise chose. Mais quand il a vu, c'était déjà trop tard. La grenade est restée dans sa main, elle s'est explosée. Quand ça s'est explosé, ça a coupé sa main. Puis elle est tombée. J'ai pris ma main. Je l'ai demandé, qu'est-ce que tu as pensé pour me faire ça? Mais ce n'est pas toi. C'est mon grand frère. Mais il verra un jour. Si je me montrais à lui, ce ne serait pas ici. Le problème là finira un jour. Mais quand ça finira, moi aussi je vais découper ses mains un à un. Qui n'amènera pas devant les autorités pour faire le jugement. Lui, il va se vendre. Comme toi, tu as coupé ma main. Moi aussi, je vais le faire.
C'est quand on s'est levé, Amadou a répondu, Amadou lui dit vraiment ce que tu as fait à ton jeune frère n'est pas bon. Que s'il dit qu'il ne descend pas, pourquoi tu lui fais ça? Il lui dit, je vais l'amener à l'hôpital. Quand je pleurais, c'est en ce moment il m'a pris dans sa voiture. Maintenant j'ai ouvert. J'ai pris une main. Maintenant, oui, j'ai salué. J'avais la vertige. Maintenant, ça bon va. Je ne me retrouvais plus. Et dans mes bris. Il m'a monté dans sa voiture. Il m'a conduit vers la ville. Maintenant, comment on est en ville? Arrivé quelque part en ville ici. Il m'a laissé dans la voiture. Parce que j'étais dans la voiture, je ne dormais plus. Je dormais plutôt. Je me retrouvais plus. Comment je me retrouvais plus? Par où le chemin qu'il a emprunté, je n'ai pas reconnu. Je suis resté dans la voiture. Vers l'aube, au moment où il fait un peu sombre là, quand il y avait un peu de fraîcheur, c'est en ce temps que je me suis retrouvé. Maintenant, quand je me suis retrouvé dans la voiture, le troupeau que je portais était tous de sang, rouge de sang. J'ai pleuré. Mais j'ai dit que ça passera. Parce que force le nid, mais que force. Je n'avais plus d'énergie, mais je me suis donné la force moi-même. J'ai ouvert la voiture. Quand j'ai ouvert la voiture, je voulais descendre, je suis tombé. Quand je suis tombé, je me suis débrouillé jusqu'à aller tomber dans le carnivore. Dans ce carnivore, il y avait de l'eau. Je suis tombé dans ce carnivore-là. Comme il y avait l'eau, c'est l'eau fraîche-là qui m'a donné un peu de force. C'est à cause de ça même que je suis assis devant vous aujourd'hui. Sans quoi, il serait mort il y a longtemps. Mais tout ce que Dieu dit, non, c'est inévitable. C'est en ce temps, un militaire est venu me trouver, un gendarme. Je lui ai dit, venez. Il a fui, pris la fuite. Je lui ai dit, pourquoi tu as pris la fuite? Mais voulant se réveiller, j'avais besoin de force. Je suis resté assis, j'ai pleuré fortement. J'ai vu une voiture dans laquelle il y avait les gendarmes. J'ai crié à haute voix, à les appeler, venez ici, venez me prendre. C'est en ce temps que les gendarmes sont venus me prendre. Ils m'ont embarqué. Ils m'ont déposé dans la voiture. Il y avait deux gendarmes. Qui portaient des ringues. J'étais trop fatigué. Il m'a tapé à la poitrine. Ici. À la poitrine. Quand il m'a tapé à la poitrine, j'ai mis ma main là-bas. Après encore, il m'a donné un deuxième coup là-bas. Je n'avais plus de force. Du tout. J'étais déjà fatigué, totalement. Maintenant, tu sais, tu es au camp Samori. Ils m'ont pris ma voix au camp Samori. Arrivé au camp Samori. Venons au camp Samori. En rentrant au camp Samori. Gouverneur est là. Le gouverneur est venu. Il m'a dit, dis la vérité, on va te libérer. Là où moi je suis. Vraiment, je n'arrive pas à vous voir parfaitement. Parce que j'ai la vertige. Maintenant, c'est ce temps qu'il a donné l'ordre. Maintenant, tu regardes.
On m'a envoyé. Donc tu es une gaz. Quand on m'a envoyé. On a zéné. Comme zéné. Comme zéné. Grenade qui est au bout de zéra. Comme c'est dans la mer, la grenade a explosé. N'a rien à éveiller. Ça, c'est gâté jusque-là. T'es comme à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital. Et là, il y avait ici une guille en main. C'est ici où on m'a donné la perfusion. J'ai une guille à ça, un bossement. C'est cette perfusion qui m'a donné un peu de force. Maintenant que ça va. J'ai commencé à me retrouver. Maintenant que ça va. En commençant à se retrouver. Et là, c'est à ce moment. Que le numéro qui le gendarme qui t'a envoyé. J'ai passé le numéro de mon oncle à un gendarme. Ils ont fait appel à mon oncle. En arrivant, il a pris 500 000. Arrivé, les gendarmes l'ont pris, lui retirer les 500 000 francs. Ils l'ont emprisonné. Il a fait un mois. Après, on l'a libéré. Maintenant, quand je l'ai écrit, il ne revenait plus. Que c'est à cause de soi, je suis perdu. Parce que les gendarmes m'ont dépouillé ce jour-là, quand je suis venu pour la première fois chercher. Je lui ai dit, garde le sang-froid. Les gendarmes t'ont fait. Garde ton sang-froid. Si je suis homme, je vais me venger un jour et te venger aussi. Parce que c'est Dieu qui est le plus superbe de tout. Si c'est la mort, moi ma mère est déjà morte. Mon père est mort. Je n'ai plus peur de la mort. C'est moi qui ai été saisi. Pourquoi alors toi aussi ils vont te saisir? Donc ce n'est pas la loi. Donc c'est moi qui t'ai appelé. Si je t'appelle, c'est vous qui devrez venir rester auprès de moi. Ce que je connais, c'est ce que je dois dire. Maintenant, c'est en ce moment. La perfusion qu'on m'a donnée, j'ai commencé à me retrouver, mais toujours je n'avais pas de force comme il fallait avoir. Maintenant, l'habit que je portais, un habit noir. Maintenant, tu peux où, ils m'ont tout enlevé. Tu t'es enlevé. Ils ont déchiré. Tu t'es pris douce. Ils sont allés jeter dans la douche. Maintenant, tu sais que tu as un bloc. Ils m'ont pris, m'amener encore dans un autre bloc. Et là, je l'ai c'est là-bas, j'ai mis assez de temps. Capitaine, il y a un Keta. Il y a un capitaine qui se nomme Keta. Quand j'ai mis assez de temps, il est venu me trouver dans ce bloc. Une liste, il est à Venise. Il avait une liste. Ama Jean. Il m'appelait Jean. Ama Gamé Oman. Dis-moi la vérité. Ama Gamé Gounouet Gao. Dis-moi la vérité, on va saisir les gens. Gamane Gokoni. Ce que je connais. Gamane Gapouin. C'est ce que je vais te dire. Gamane Sane. Si c'est là-bas. Anangawa Soga Yeson. Si c'est que je vais mourir, je mourrai. Mais Gamé Mananoubo. Mais c'est la vérité que l'homme doit dire. Maintenant, lise gena au courant. Cette liste-là, il a fait sortir. Demande je lui ai demandé qu'est-ce que vous avez en main. Ama yane signe ne. Et me dit si tu signes ça. Gariga ya wita. On va t'envoyer à l'étranger en Europe. Oro signe ne. Si tu ne signes pas. Galo kashoya. On va t'emprisonner. Demande de l'engagement à signer qui t'attend. Bien d'accord. Cette liste-là est composée de quel nom et quel nom. Ama général Bachilou ne. Je l'ai dit, il y a le nom qu'il lui a dit, il y a le nom du général Bachilo. Ama général Newtam René. Général Newtam aussi. Ama Dadis et Dadisigi René. Même le nom de Dadis est aussi. Ama Dadisigi René. Même Dadis est aussi. Gama Beke et Dadisigi René, Keta. Moi je l'ai dit, et vous-même, vous avez votre nom. Ama. Il me dit non. Gama Beke et Dadisigi René. Je l'ai dit, pourquoi toi ton nom n'est pas. Est-ce que cette liste-là est une bonne liste? Si tu ne signes pas, qu'est-ce que c'est Dadis qui a donné de l'argent à Dalai pour faire le coup d'État?
que tu es venu pour une enquête ou tu es venu pour attaquer les forestiers? Demain, mais enquête, quand je la gagne. Mais ce n'est pas la manière dont on fait une enquête. Demain, mais à vous, les gens à aïe. Mais la zone nous dit, je me confie à vous. Mais un jour, demain, vous êtes en train à aïe. Un jour aussi, vous serez avec moi dans ma main. Dans la vie, c'est de deux signes devant ton front, ce qui s'effectue. Alors moi, je ne signerai jamais ça. Je refuse. Si c'est à cause de ça, je mourrai. Mais je veux que le capitaine lui-même soit là. Mais je ne veux pas dire tout, parce que si lui-même en personne était là, ça serait mieux encore de plus. Décision Condé est là. Que le juge décision Condé est venu. T'es où le prof? Quand il est venu du bloc. Quand il est venu du bloc. T'es juge Condé, t'es tout dans l'opération qui est ça. Quand on a fini mon intervention, c'est juge Condé est là. Quand le juge Condé est venu, il m'a demandé Condé. Que c'est moi qui se nomme juge Condé. Tout ce que tu as vu. Dis la vérité. Ce que je te dis, c'est moi qui c'est ce que je l'ai rappelé, je l'ai répété. Je l'ai dit de la mort dont j'ai expliqué tout de suite là, c'est comme ça aussi ça s'est déroulé. Si c'est la mort, si je mourrai, je mourrai. Il m'a dit non. Si prête à Dieu. Tu seras sauvé dans cette situation. Mais j'avais peur. Parce que l'aigri que Keta a amené, je n'ai pas parlé de ça à Condé. Parce que si je lui disais cela, nous étions dans un camp. Il pouvait me tuer. Et s'il me tuait, rien n'allait sortir. C'est pourquoi je me suis tué. Le jour que je serai là, je dirai tout. Parce que ça sera la présence de tout le monde. Et tout le monde m'attendra au ce jour-là. Si je mourrai, je mourrai. Devant le président. Je mourrai. Devant le monde aussi. C'est pourquoi devant, je dis la vérité aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai vu. Le 19 juillet. Le 19 juillet. Au nom de Dieu. C'est ce qu'il a vu. Voilà. Votre ami, votre frère, Émile, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Émile, tu as dit au parole. Émile, c'est pas où tu es quand même. M'a tout petit porc. Que Émile lui a dit qu'il travaille au port. Moi je suis quelqu'un. Voilà. Vous l'avez connu dans la ville, c'est à Conakry que vous l'avez connu. Hein? Votre ami. Hein? Son ami, Émile. Où il l'a connu? Que c'est son frère Émile. C'est mon ami, mais c'est mon frère encore. Voilà. Voilà. Hein? Hein? Je dis c'est mon ami. C'est ça que je dis. Je dis que c'est son ami et ton frère encore. Voilà. Que c'est son grand frère. Voilà, c'est votre grand ami, frère. Son grand frère. C'est votre grand frère. Hein? Il est votre grand frère. Oui, ouais, parce que tu veux que qu'il est son grand frère parce qu'il est plus âgé que lui. Voilà. Donc c'est mon grand frère. Bon. Que vraiment c'est pour voilà, ça va, c'est bon. Aujourd'hui. Quel jour il est venu vous voir pour vous proposer qu'il y a de l'argent quelque part? Vous le verrez là, voilà, on a un gars ou un gars d'état. On a le 18 de Froupo Calosso a voulu aller là. C'est bon. C'est un gars. C'était pendant l'hivernage, hein, 18. Le 18. Oui. De quel mois? Le 18 juillet. Lundi. Le 18 juillet. Pourquoi il va là? Un soir. Voilà. Nous allons aller prendre de l'argent quelque part. Cette somme est une grande somme.
Il vous a dit où vous alliez prendre l'argent. Il m'a dit c'est à cause de ça. Maintenant, il voulait seulement me faire quitter la maison. Parce que si réellement ce qu'il voulait, s'il me disait là-bas, je n'allais pas sortir. Donc voilà. Donc, il a dit à Bofa, hein, à Bofa, que vous alliez chercher l'argent à Bofa, hein, c'est ça? À Koza. Koza. Voilà. Bon. Quelle qualité vous aviez pour qu'il vienne vers vous pour vous proposer cela? Vous aviez quelle qualité? Alors, c'est pas un cas où bien, nous avons un peu de temps pour nous. Ah, mais je connais que qu'il vient ici. Quand il ne connaît pas quelle qualité il a. Simplement comme ça. Ah, alors, comment ça là, simplement? Voilà, vous êtes venu à Koza, vous avez trouvé des véhicules, plusieurs véhicules avec des militaires. Ouais. Voilà. Et vous avez continué jusqu'à une gare routière. La gare routière là se trouve où? Alors, il y a une mobilité dans la gare routière. Alors, il y a une gare routière. Il y a une Koza. Il y a une cité d'île. Laisse passer, dit à un endroit quoi. Il dit, arrivé à Koza, ils ont emprunté toujours la route de la cité Anko 5. Mais avant la cité Anko 5, ils sont rentrés dans le quartier. Il y avait un espace. Cet espace-là, c'est là-bas qu'il leur a débarqué. Ils ont trouvé les militaires dans cet espace-là. Voilà. Maintenant, à quelle heure vous avez quitté là-bas? Là où vous étiez regroupé avec les militaires. Que vraiment ils étaient dans la voiture, ils n'avaient pas de temps de montre pour se situer dans le temps. Franchement. Parce qu'il y en a que quand vous êtes dans ces milieux comme ça, là, tu te penses même pas à connaître quel il s'agit-il. Dans quel garage vous êtes resté tard pendant longtemps? Arrivé à Bambeto, quand vous dépassez Bambeto, en allant à Kipé, c'est là-bas ils m'ont fait rentrer. En allant à Kipé, vous venez à Bambeto, oui. C'est sur la T2, hein, transversale numéro 2, vous allez vers l'ambassade des États-Unis. Des États-Unis, c'est cela? C'est là. Les Américains étaient ambassade de Gézouvre, nous l'avons là. Nous n'avons pas besoin de nous, mais nous n'avons pas besoin de nous, Le micro, utilisez le micro. Le micro qu'il utilise. Le garage qui est là, quoi. Que vraiment, il ne sait pas par où ils sont rentrés, mais ils sont restés sur la grande route seulement jusqu'à rentrer dans un garage. Mais vous êtes à Conakry depuis combien de temps? Hein? Vous êtes à Conakry depuis combien de temps? Alors, t'as dit que ça fait Conakry, t'es beau, vaillant. Qu'est-ce qu'il y a là? Conakry. Qu'il a sa cinquième année ici. Cinquième année? Comment t'as dit qu'il y a là? Parce que je vais souvent revenir, mais je suis à ma cinquième année ici. Voilà, vous êtes arrivé à Bambeto, vous avez continué sur la T2 en allant vers Kipi. Bon, le garage là. Est-ce que vous êtes arrivé au niveau des rails? Ah, c'est une rail. Que s'il y avait les rails là-bas, il ne s'est pas en tout cas rappelé de ça. Mais comme vous connaissez cette voie là, est-ce que vous connaissez qu'il y a des rails à ce niveau sur qui traverse cette transversale? Comme Pelina Taurumonina, est-ce que vous avez un rail qui a pris un bout de souris malade? Que c'était la première fois d'emprunter cette traversade là? Depuis 5 ans, vous êtes à Conakry, c'était la première fois pour vous?
Alors depuis qu'on a été bon, il y a quoi de nouveau? Il y a maintenant encore des gens à Basile qui n'ont pas. Ah, ma belle gagne. Que franchement, qui va de l'équipe par là-bas? C'était sa première fois. Il n'est jamais allé par là-bas. Ah, dans une navire super. Que vraiment il n'a jamais été. Voilà, je voudrais me situer par rapport à votre point de stationnement, le garage là. Le garage là est précisé, l'emplacement. Alors, toi, moi, il y a à l'une, mon bribetazé à l'une, Pour lui, c'était sa première fois en 16 heures tardives de se retrouver dans un milieu où il y a beaucoup de militaires. Donc, vraiment, il ne s'est même pas posé la question. Il fait quelle heure. C'est sa vie qui lui préoccupait. Comment sauver sa vie, c'est qui lui préoccupait. C'est ça son problème. Donc, se dire que nous sommes où et il fait quelle heure, ce n'était pas ça sa préoccupation. Voilà. Qui vous a remis la grenade? Ah, ben, la grenade est venue. Bobo, hein. Que c'est Bobo. Bobo, vous l'avez connu à quel moment? Alors, tu as dit que tu as un an. Tu as dit que tu es un an. Qui se reconnaît avec mon frère et non lui. Son frère Émile. Et Bobo, là, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Bobo, on attend que tu aies dit que tu as un an. Bobo, tu le connais. Qui ne connaît pas Bobo, que c'est son frère qui le reconnaît. Voilà, vous l'avez connu avec votre frère. Alors, tu as un an. Tu as un an. Il a vu Bobo là-bas. Voilà, cette nuit-là, comment Bobo était habillé? Cette nuit-là, comment il était habillé? Alors, moi, vous m'avez dit, Bobo, c'est pas un numéro de ça. Qu'il était habillé en tenue militaire. Il était habillé en tenue militaire. Ah, t'es pas bon. Eux tous. Bon, qui était chargé de faire les gris-gris pour de protection? Si il y avait quelqu'un là-bas qui était chargé de ça, il n'a pas reconnu la personne. Vous n'avez pas connu la personne. Ah. Et ce n'est pas vous non plus. Ah. Il dit oui. C'est pas vous. Mm-hmm. Que non. Est-ce que c'était pas vous qui étiez chargé de faire des bobos de protection pour le groupe? Il ne connaît même pas comment faire ça. Est-ce que c'est pas à cause de cela que Émile est allé vers vous parce qu'il sait que vous n'êtes pas militaire, vous ne pouvez pas participer à une telle opération? Est-ce que c'est pas à cause de cela? Il ne connaissait pas la pensée de son frère et lui aussi, son frère ne connaissait pas sa pensée. Vous pouvez suivre quelqu'un comme ça, il vous dit il y a de l'argent quelque part, allons le chercher. Hein? Ça, c'est intelligent, ça, de votre part. Que si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas le suivre. C'est à cause de ça. Tu ne connais pas quelqu'un dans la Est-ce que le fait de vous dire tout simplement il y a de l'argent quelque part, allons le prendre, ça c'est suffisant? Comme vraiment on avait passé bon temps ensemble, il ne m'avait jamais dit ça. C'est pourquoi je l'ai suivi. Alors, pourquoi il a appris le métier de menuisier? Alors, ça va se boutiner les accords à Gouza ou disait pas un an à l'air. Qu'il a appris ça pour demain. Pour? Qu'il a appris ça en demain. C'est pas pour chercher de l'argent pour qu'il
pour nourrir à ses besoins. Il peut se nourrir et nourrir sa famille. Voilà. Mais est-ce que c'est de cette façon-là qu'on cherche à se nourrir et nourrir sa famille? Alors ça, c'est ça, il va ne pas y avoir à dire de base de Wallis. Alors, c'est vrai, n'a pas dit que le gars, il y avait un coup de bon coup. Vraiment, un nom, non, vous le plaît, parce qu'il y a un gars, on a mal à la Il voulait savoir que je quitte mon domicile parce que s'il me disait pas, s'il me disait la vérité, la base n'allait pas le suivre. Parce qu'on ne connaît pas pour le gagner ici. Parce que cette affaire, c'était une grande affaire. Et s'il me disait la vérité, je n'allais pas partir et j'allais lui dénoncer aussi. Que c'était à cause de ça, comme je ne savais pas pourquoi on va et pourquoi il est venu me chercher, c'est à cause de ça que je l'ai suivi. Bon. Pourquoi? Vous avez suivi votre Émile, frère Émile sans savoir ce que vous alliez faire en réalité. Alors, ça va, l'argent là que vous alliez prendre, c'était à ramasser ou bien à voler? Que c'était son frère qui savait tout ça là, mais lui, il savait rien du tout. Est-ce que si tu sais que là où vous partez, il y a le mal qui ira là-bas, il n'ira jamais là-bas? Que si ça va là où ils vont, il y a le mal. Quand vous êtes embarqué à partir du garage. Alors, tu es là, le mobile peut-être, il y a mobile. Le garage est sur la transversale T2. À part ça, il y a toujours qui peut venir dans l'ambassade. Vous êtes allé jusqu'à quel niveau? Alors, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un qu'ils sont rentrés dans un grand garage, mais jusque maintenant, là, il ne va pas vous indiquer où se trouve le garage. Vous ne savez pas où on a balancé la grenade dans votre bras? Le coup, il y a peut-être pas dans la gueule. Là où ils l'ont déposé la grenade à sa main, c'était dans un carrefour. C'était un grand carrefour. Quel carrefour exactement? Quand on est avec les militaires dans la voiture, on est parti quelque part, on a trouvé les militaires en grande quantité. La première voiture nous a dépassé. La deuxième aussi. Non, le carrefour exactement. Toutes ces voitures-là étaient des véhicules militaires seulement. Ah. Voilà, quel carrefour exactement on a déposé la grenade dans sa main? Il y a repoussé par de deux grenades, deux quand il a neige réellement. Il y a un mobile qui est un grenade de grenade. Où ils ont déposé la grenade parce il ne veut pas vraiment indiquer le lieu, mais parce qu'il n'est pas habitué à la route là du tout. On vous a présenté le nommé Bobo. C'est votre frère qui vous l'a présenté. N'est-ce pas? Alors, tu es Bobo nommé de. Mais il est Bobo Lanagaya. Oui. Oui. Quel qui vous a dit? Alors, c'est Bobo Nia. Bobo Baga Amadou Tenoulon. Bobo était Amadou était arrêté. T'es là. En train de bouger. Quel Amadou? Amadou Benagana. Que il y avait quelqu'un là-bas qui s'appelait Amadou parce que c'est Bobo qui l'a appelé devant lui Amadou.
J'ai quand même retenu ce nom-là là-bas. Oui. Maintenant, tu es gris, dans la tronche, tu es là-haut. Arrivé là-bas, quand je l'ai vu en train de parler avec son nom, Amadou. Ne ferais que Bobo, toi. Il a dit à Bobo que mon jeune frère dont je te parlais, c'est lui. Maintenant, Bobo, Baga, ne ferais que toi m'oublier. Bobo et mon frère sont rentrés dans la voiture. Maintenant, le bagage, m'oublie dans un gros son. Maintenant, moi aussi, il y avait une autre voiture. Ils m'ont dit de rentrer dans cette voiture si je me rentrais dedans. Maman, jeune frère, voyez. Il m'a dit, jeune frère, monte dans cette voiture. Maintenant, tout au gros, maintenant. Moi aussi, je suis monté. Maman, ça a fait un gros son. Alors qu'il y avait un problème que je ne savais pas. Vous avez dit. On a continué le chemin. Vous avez continué le chemin. On a continué le chemin. Oui. Est-ce que vous n'étiez pas chargé de faire des beaucoup de protection pour les assaillants? Est-ce que le boutique de Est-ce qu'il a fait des déclarations devant le juge d'instruction? Vous dites? Est-ce qu'il a fait des déclarations devant le juge d'instruction? Il a fait cette déclaration devant le juge d'instruction. Et qu'est-ce que vous avez dit au juge d'instruction? C'est pas bon nom. Quand Émile est venu le trouver à la maison, on m'a dit de quoi dire. Alors on va prendre l'argent. J'ai dit ça au juge. Juge d'instruction. Le juge d'instruction. Pourquoi? Vous avez dit quoi encore? Hein? Vous avez dit quoi encore au juge? Quand j'ai parlé ça au juge, Gama, je l'ai dit. Quand il m'a dit, allons prendre l'argent, nous sommes arrivés à Koza. Non, ça aussi t'es encore. Écoutez, par rapport au bobo de protection. Est-ce que vous avez dit aux juges d'instruction sur cette question? Non du tout. Parce que quand on lui a offert, il ne se retrouvait plus. Parce qu'il a fait un mois. Il a fait un mois là-bas. Même pour manger, il fallait qu'on lui serve à manger. Il pouvait dire des choses là-bas qu'il ne pouvait pas retenir aujourd'hui. Parce qu'il était dérangé. Et là où il était vraiment, il était vers la mort. Bon. Et votre frère, Émile, ils ont commencé à tirer à quel niveau quand vous étiez dans le véhicule? Vous dites? Ils ont commencé à tirer à quel niveau? C'est là-bas les véhicules militaires dans lesquels nous étions. On commençait à nous dépasser, à aller se garer devant. C'est là-bas Bobo a débarqué, il a tiré un coup de balle à l'air et les autres militaires tous ont commencé à tirer. Vous pouvez nous situer exactement ce niveau, sur ce niveau-là? Comme vraiment il ne connaît pas qui paye, il se peut que ça soit. Mais vous connaissez quand même l'ambassade des États-Unis.
Vous avez dépassé l'ambassade des États-Unis. Vous êtes allé vers Kipi. Vous avez amorcé la descente. La descente. Et vous avez trouvé un premier carrefour. Il a trouvé les militaires là-bas, mais peut-être c'était le domicile du président de la République ou pas, mais en tout cas il y avait les militaires dans ce carrefour. Voilà. C'est là-bas on a garé les voitures. C'est là-bas que vous avez garé la voiture. Oui. À la rentrée du domicile du président. Massagé, le président. Qui ne pensait pas si c'était le carrefour du domicile du président de la République. Ouais, vous ne saviez pas, mais le carrefour que vous avez trouvé, il y avait beaucoup de militaires là-bas. Donc c'est Bobo qui a commencé à tirer le premier. Il a tiré sur quoi? Il a tiré sur quoi? C'est pas Badarou, non? Qu'il a tiré à l'air. Quand il a tiré à l'air, moi, je suis que oui, nous sommes venus pour telle cause maintenant. C'est à cause de ça, mon grand frère n'a pas été véridique envers moi. Il voulait me dire. Il a compris qu'ils sont venus faire un coup au président. Vous parlez bien. Vous ne connaissez pas, doucement. Voilà. D'accord. Pour que l'on ait ça, on a un ami de. Tu sais, on a fait un groupe. 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 On a fait un. Pour lui, arrivé où, dans ce carrefour du domicile du président, que quand ce nommé a. Le premier qui a tiré, quand ce dernier a tiré, c'est là-bas, il s'est adossé, il s'est dit oui. Réellement, c'était à cause de ça, mon frère m'avait déplacé de la maison, mais il m'a pas dit la vérité. Dans ce moment que vous avez compris qu'ils étaient venus pour faire un coup. Si c'était à cause de ça, lui, c'est pas rendu compte là-bas. Voilà. Mais à quel moment précis on a déposé la grenade dans votre main? Carrefour, c'est à cet endroit-là, au carrefour là-bas. Il ne veut pas définir le moment. Mais jusqu'au moment où il arrivait au niveau du carrefour là, on n'avait pas déposé la grenade dans sa main. Hein? C'est quand il a tiré, il mort, ils ont déposé la grenade là-bas. Quand il a tiré, et les autres ont commencé à tirer aussi. C'est là-bas qu'il a su que oui. C'est réellement l'objectif de mon déplacement ici. Voilà. Est-ce que le carrefour que vous avez trouvé là, vous êtes rentré sur la voie qui était là, au carrefour, l'autre voie, parce que vous venez sur une voie principale et vous trouvez un carrefour. Est-ce que vous êtes limité là ou bien vous êtes rentré? Ils sont limités au carrefour. Vous êtes resté au carrefour là-bas. C'est au carrefour. Parce qu'il y avait trop de voitures. Je n'ai pas vu une voiture rentrer. Après le tir de Bobo, il y en a eu d'autres, plusieurs, non? Oui, il y a eu plusieurs. Et lui, il s'est adossé. Et tu restes sur quoi? C'est pas un gars qui est un badal. Pas d'argent, mais autour.
Que quand il lui a vu, quand il a attendu le coup de balle, il a compris que oui, réellement il y a un problème. Oui, c'est adossé maintenant et les autres coups de suffusion continuent. Ceux qui tiraient là, est-ce qu'ils sont rentrés sur la voie là, à qui verse le président? Que là où il était entre la vie et la mort, donc vraiment il ne pouvait pas se rendre compte où les gens sont rentrés par ci ou par là. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour que pour énerver Bobo, qu'il dépose dans votre bras, dans votre main, la grenade? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ce qu'ils font, moi je n'ai pas accepté de faire. Et ce qu'il était en train de faire là, c'était moi ma première fois de vivre ces faits comme ça. Donc, vous avez quitté la maison pour venir chercher de l'argent. N'est-ce pas? Mais si vous êtes venu jusqu'à ce carrefour là, dans le but de chercher de l'argent, pourquoi vous n'avez pas continué? Parce que moi, c'était pas mon objectif. Vous étiez venu, vous avez quitté la maison. C'est vous qui l'avez déclaré, hein, que c'est votre frère Émile. Vous n'obéissez pas à ce qu'on vous demande, alors que vous étiez venu chercher de l'argent. Parce que pour lui, ce n'est pas son travail du tout. Mais est-ce que vous n'avez pas de fusil à venant jusque-là? Il ne connaît même pas la manipulation de l'arme, pourquoi il va prendre l'arme? Vous n'avez pas fait la police communale? Hein? La police communale, vous n'avez pas fait ça? Non, du tout. Vous n'avez jamais touché à une arme? Cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais touché à un fusil. Parce qu'il a ses hommes qui sont militaires. À la maison, quand ceux-ci rentrent du camp, ils peuvent prendre leur truc là, leur colis, même son sac militaire ou son fusil, déposer dans la chambre. Que c'est dans ce contexte-là, il a touché un fusil militaire. À part de ça, il n'a jamais touché. Voilà. Quand la grenade éclate dans la main de quelqu'un, est-ce que c'est la main seulement qui s'en va ou bien tout le corps? Quand Dieu dit tu meurs ici, tu mourras là-bas. Si ton temps n'est pas arrivé, quelquefois l'événement ne mourra pas. Ou la circonstance. Vous ne savez pas, hein? Bon, est-ce qu'il y avait une personne à côté au moment où on déposait la grenade dans votre main? Ils étaient tous à terre. Oui. Il y avait des personnes à côté de lui, mais ils se sont tous mis à terre.
Mais pourquoi ça? Pourquoi? Expliquez-nous ça. Alors vraiment, c'est qu'on a vraiment là. Vous venez avec les gens, vous ne savez pas pourquoi. On vous a dit tout simplement qu'il y a de l'argent quelque part, allons le chercher. Vous allez là et vous, on trouve moyen de déposer une grenade dans votre main. Pourquoi? Vous venez, vous êtes ensemble avec un groupe et vous, subitement, c'est quelqu'un qui prend la grenade, la dépose dans votre main et vous avez cet accident-là. Elle est Dieu, parce que j'étais à tout que c'est son frère qui sait ça et Dieu, mais lui n'en sait rien. Donc, où est Émile aujourd'hui? Où il est? Vous dites? Son frère Émile, où il se trouve? Alors, Émile, il est là. Quel est le nom de l'homme? Il est là. Il est là. Depuis lors que j'ai eu ce socle-là, il a été tué où il est vivant. En tout cas, je ne sais pas où il est. Vous ne savez pas. Elle connaît du tout. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le procureur. Bon, tenez, quoi, ça va. Merci, bon, avocat, bien, bien. Merci, monsieur le président. Monsieur Jean Dilabogui. Je voudrais d'abord vous dire que vous êtes un homme. Vous respectez certaines valeurs. Ce qu'il vient de dire là, il n'a pas varié. Il n'a pas varié. C'est ce qu'il a dit à l'enquête préliminaire, c'est ce qu'il a dit sur le juge d'instruction. Et pour cela, je dis que même si dans ce dossier, il meurt, il mourra dans la dignité, lui. Au moins. Je vais, par contre, lui poser quelques questions juste pour certaines précisions. Il commence à ressentir un peu de truc là, il voulait le couper ça. Ça joue sur lui, sa santé. Qu'est-ce qu'il dit? De couper ses 24 heures là, ça joue sur sa santé. Reculez, garde, reculez. Attendez, aidez-nous. Voilà, interprète, vous pouvez rester à votre place. Vous pouvez rester là-bas. Ok. Merci. Monsieur Jean Guilavogui. Jean Guilavogui. D'après ce que vous avez dit à la barre, il y avait au moins 6 véhicules dans cette opération. Vous maintenez cela? Quand on te coupe la main, est-ce que sur ce sang-là, tu peux reconnaître ce qui se passe ou pas?
Pardon? Que quand tu as la main coupée dans un événement, est-ce que réellement tu peux reconnaître ce qui se passe maintenant là où tu peux Non, c'est pas ça. Il a dit avant l'opération. Ouais. Il a dit avant l'opération, ils ont fait un tour. Lors de ce tour-là, il dit quelque part, c'est lui qui dit, hein, je le reprends. Un véhicule est passé. Deux véhicules est passé. Sont passés. Trois véhicules, quatre véhicules, cinq véhicules. Après, nous avons suivi. C'est sa déposition que je reprends. Donc, à partir de là, je dis qu'au moins, dans l'opération, il y avait six véhicules. Non, mais attendez, je n'ai pas dit à ce moment-là. Avant que le feu ne commence, il dit nous avons stationné quelque part. C'est sa déposition. Un véhicule est passé. Deux, trois, quatre, cinq, et nous, on a suivi. C'est lui qui a dit ça tout de suite. Merci, on se comprend. Il a dit qu'il a vu beaucoup de personnes, que c'était des militaires. Pourquoi a-t-il dit que c'était des militaires? Merci, je suis d'accord avec lui. Je ne discute pas. Il a dit aussi que ceux qui étaient là étaient cagoulés. Est-ce qu'il maintient ça? Ceux qui étaient là, c'est comment? Porter des cagoules. Merci. Il a dit aussi que c'est son frère Émile qui l'a vu, qui a appelé Bobo. Bobo, c'est un lieutenant qui faisait partie de cette opération pour faire la présentation entre eux. Il maintient ça. Bien, je vais lui demander une précision, un détail. Oui. Je vais lui demander une précision, un détail. Il dit quand nous sommes arrivés. Donc moi je suppose quand ils sont arrivés là où ils devaient aller. Quand ils sont arrivés, tout le monde a débarqué. Bobo a tiré et tous les autres ont commencé à tirer. Est-ce que cela veut dire que tout ce qui était avec lui dans le groupe était armé? Qui ne veut pas contribuer que toutes les personnes qui étaient là-bas, il les a vues. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Mais quand Bobo a tiré, il a dit tout de suite à là-bas, tout le monde s'est mis à tirer. Toutes les personnes qui étaient dans les véhicules,
dépassé à l'état de l'huile. Il a attendu des coups de feu partout pour lui contrôler ce qu'on dirait. Il ne va pas être merci, merci, on est d'accord, on se comprend. Merci. Il dit, le président a insisté qu'il ne peut pas dire exactement où ils ont débarqué. Mais il n'a qu'à faire d'efforts, parce que je vois qu'il a fait beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il peut me dire exactement où le groupe a débarqué et commencer à tirer? Est-ce qu'il peut faire l'effort de le dire? Parce que je dis ça simplement parce que il a dit, quand ils ont commencé à tirer, c'est là que j'ai compris qu'ils sont venus pour faire un coup d'État. Où ils sont partis et où ils partaient, son frère ne vient pas dire où nous allons et nous allons. Je suis d'accord avec lui, ça, je ne discute même pas ça. Lui, il est monté dans le bain simplement parce qu'on lui a dit, allons, tu auras de l'argent pour ta vie, tu ne seras plus pauvre. Je suis d'accord avec vous, je ne discute pas ça. Mais là où vous avez garé, tout le monde est descendu. On a commencé à tirer. Vous dites, j'ai compris qu'ils étaient venus faire un coup de temps. C'est parce que vous avez su que c'était sur le chef de l'État. Alors, là où on a beau savoir, là où on a beau savoir. Vraiment, non, on va aller nous faire. Bon, lui, il dit qu'il ne savait pas si c'était sur le chef d'État. Mais pourquoi il dit qu'il a pensé tout de suite que c'était un coup d'État? Pourquoi il dit ça? Où, quand ils ont tiré, il s'est rendu compte de ah, c'est à cause de ça, mon frère m'a envoyé ici. Mais il n'a pas dit que c'était un coup d'État. Si, il l'a dit. Mais je lui concède cela, je ne discute pas avec lui, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, je pense que le greffier a noté. Moi, je vais lui rafraîchir un peu de la mémoire. Il a déclaré au juge d'instruction, Mamadi Diawara, Sékouba Kondé, et Lama Paul II, ce qui suit. Les trois pick-up ont pris la direction de la résidence du président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est lui qui a dit ça. 6 à Kipi, commune de la Toma. C'est lui qui a dit. Nous savons la quatre classique qui est là. Pour lui, si ces personnes-là, si c'était de leur pensée, lui ne savait pas du tout. C'est lui qui l'a dit? Non, il dit si c'était de leur pensée, ces personnes-là, qu'il ne sait pas du tout. Pardon? Que ces personnes-là, citées-là, que ces personnes citées là, que si réellement c'était de leur pensée, l'acte là, qu'ils ne savaient pas du tout. Les personnes que j'ai citées, ce sont les juges qui ont fait l'instruction. Il dit ce qu'il a dit là-bas, ce qu'il a dit au droit de l'institution là, c'est la même chose qu'il a répété ici. C'est pas ce qu'il pas bon. D'accord, merci, merci. Je ne discute pas. Il a dit arrivé, ils sont tous descendus des véhicules et se sont mis à tirer en direction de la dite résidence. Moi, ne sachant pas de quoi il s'agit,
Je suis resté dans la voiture. Ça, il a dit tout de suite qu'il est resté dans la voiture. Je suis d'accord avec lui. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que les gens arrivés au niveau de la résidence du président de la République, ils se sont arrêtés là. Ils sont tous descendus et ont commencé à tirer. C'est bien ça. Pardon? D'accord. Merci. Oui. Mais il n'est pas descendu de la voiture. Je suis d'accord avec lui. Il a dit quelque chose que je voudrais aussi qu'il confirme ici, qu'il n'a pas répété tout de suite dans sa déposition. Quand il a retrouvé le groupe, il a vu le groupe avec son frère Émile Guilavogué. Quelle langue on parlait? Dans quelle langue on s'exprimait? C'était les deux sous langues. Oui. Oui, c'est les deux. Merci. Il a parlé de le lieutenant Amadou qui a trouvé la mort. Comment il a su que c'est le lieutenant Amadou? Parce qu'il dit que quand il a été blessé par Bobo, celui qui est venu à son secours a fait des reproches et il a nommé celui-ci comme étant Amadou. Comment il a su que c'est le lieutenant Amadou? Parce que moi je sais que lui il est en train de dire la vérité. Parce qu'il a dit qu'on lui a présenté Bobo. Mais il n'a pas dit qu'on lui a présenté le lieutenant Amadou. Comment il a su que c'est le lieutenant Amadou qui est venu lui dire, monte dans la voiture, je vais t'amener à l'hôpital. Comment il a su? Il dit ce qu'il a dit, que quand arrivé au lieu, son grand frère lui a présenté à Bobo, Bobo aussi a appelé le lieutenant Amadou. C'est comme ça qu'il a connu Amadou. D'accord. Merci. Voilà. Quand ils sont arrivés sur les lieux, tout le monde est descendu. Ils ont commencé à tirer. Ils se tiraient entre eux dessus ou bien ils tiraient en direction d'autres personnes. Il dit, arrivé au carrefour, qu'il y avait des véhicules qui étaient garés à gauche et à droite. Et lui, la voiture dans laquelle il était, la voiture était juste au carrefour. Maintenant, le nommé Bobo a tiré le premier coup. Les autres ont commencé à tirer, lui il est allé se poursuivre, il s'est adossé. Mais il ne se tirait pas dessus, il tirait en direction d'autres personnes. Merci. Le président a insisté que lui, il est marabout, il fait les boubous. Non, c'est pas ça. Lui, ne fait pas des boubous. Je suis d'accord avec lui. Il ne peut pas faire le boubou. Mais il a dit que quand son ami Émile, son frère Émile, est venu le chercher, lui, on lui a fait un boubou de protection au village. Il a pris ça, il a porté, ils sont partis. C'est ça? Comment
Vraiment, tous les honneurs. Que quelqu'un ne lui ait pas dit ça. Pardon? Quelqu'un ne lui ait pas dit ça. Que lui n'a pas dit ça. Attends. Vraiment, tous les honneurs. Qu'il dit lui, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. D'accord. Là-dessus, je ne discute pas trop. Mais ce qui est dans le dossier, c'est que quand Émile est venu le chercher, il ne lui a pas dit hein, qu'il va au domicile du président. Il lui a dit, j'ai une opération, tu auras de l'argent pour la vie. Tu ne seras plus pauvre. Mais il était conscient quand même, lui aussi, que l'opération là quand même ne devait pas être une opération tout à fait régulière. Il s'est protégé. Moi, s'il ne le reconnaît pas, je ne lui en tiens pas rigueur. Hein. Il peut ne pas reconnaître. Qui est son oncle là qui a été arrêté, qui est venu le voir et qui a été arrêté? Calvogui. Ce temps s'appelle Calvogui. Il est Calvogui. Il n'a rien à voir avec cette affaire. Je suis d'accord avec lui parce qu'en réalité, comme il l'a dit, Émile est venu le contacter le 17. C'est bien ça. Il lui a parlé du projet qu'il avait et qui allait le rapporter de l'argent. Ils se sont séparés. Le 18, au soir, à 20h, Émile est venu cette fois-ci pour lui dire, allons, ce que je t'ai dit hier, c'est maintenant, allons, on va aller chercher l'argent, c'est ça? Quand il est venu, sort, on va se voir. Dis-moi la vérité. Est-ce que réellement où on va, c'est un problème d'argent seulement? Dis-moi la vérité. Je ne veux pas que tu manques. Alors que c'était du mensonge. Juste me faire quitter la maison. C'est pourquoi aujourd'hui je me trouve dans cette situation-là. Je suis d'accord avec lui. Bon, ma question, il est libre de répondre comme il est libre de ne pas la répondre. Est-ce qu'il reconnaît aujourd'hui qu'il était effectivement dans un groupe? Lui ne savait pas trop quelles étaient les intentions du groupe, mais il reconnaît qu'il était dans un groupe qui est allé le 18 aux environs de 2h du matin attaquer le domicile privé du chef de l'État à Kipé. Est-ce qu'il reconnaît ça? Il dit qu'il ne savait pas réellement si c'était la mission de l'équipe, mais il faisait partie de l'équipe. Merci, monsieur Jean Dilavoury. Encore une fois de plus, je dis, vous êtes un homme. L'homme, c'est celui qui assume ses actes, quels que soient ces actes-là. Vous venez d'assumer cela. Je vais vous dire une chose. Je vous remercie. Le moment venu, je vous serai reconnaissant. Merci. Thank you.
personne ne touche. Je vais demander qu'on nous amène à manger. Monsieur le Président, il faut noter qu'il ne faut pas de contact entre les prévenus là-bas, avec les prévenus. Ils sont déjà là.